Des réserves. Thank you.
Toujours utile, très amusant. J'aurais sûrement besoin. C'est sûrement là que les guerriers se sont fait massacrer. Tant de violence. De nombreuses machines, contrôlées par les tueurs. Ils ont envoyé tout un troupeau en bas de la pente. Nora ont réussi à abattre un corps, mais pas avant que les tueurs l'aient utilisé pour leur envoyer d'autres machines. Les blessés ont tous été déplacés. Il n'y a plus de braves ni de soigneurs ici. Je suis seule. Tu es blessée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant de choses. C'est la folie ici. La chef de guerre Sona m'a nommé messager. Je ne lui sers à rien dans cet état. Varl m'a dit que la chef de guerre avait suivi les tueurs. Elle les a trouvés? Je sais pas. On a suivi leur piste, mais on était sans arrêt attaqués par des machines corrompues. Mes blessures commençaient à me ralentir. Alors la chef de guerre m'a renvoyé dire aux autres qu'elle poursuivait le combat. Tu étais ici quand les guerriers ont été pris en embuscade? En effet. Je pensais qu'aucun jour ne serait plus sombre que celui de l'éclosion. Mais j'avais tort. La chef de guerre a été retardée, elle rassemblait l'arrière-garde. Trop pressée de se venger, les braves sont tombés dans un piège. D'un coup, des dizaines de morts. Si Sona n'était pas arrivée pour nous rallier, nous aurions tous été massacrés. Varl m'a envoyé chercher Sona. Tu sais où elle est, en ce moment? Je peux seulement te dire où je l'ai quittée. Près de la tour de métal, au sud-est des ruines de la soif du démon. Regarde la côte juste derrière, celle avec le rocher. Je me dirige vers l'étreinte pour dire ce que je sais à Varl et aux autres. Que la toute mère te prête sa force. Toute seule, t'en auras besoin. Je ne peux pas pirater cette machine. Je dois encore en apprendre.
Je vais garder ça pour la route. C'est sûrement la côte dont le messager de Sona a parlé. La chef de guerre s'est arrêtée là. Où est-ce qu'elle est allée ensuite? Ce vieil arc a connu... Ils ont dû prendre le temps de se reposer. Personne ne l'aurait abandonné volontairement. Sona a subi des pertes. Ça n'a pas dû être facile de continuer après l'embuscade. Des bandages. Le messager n'était pas le seul à être blessé. Une piste de sang, des fragments de flèches. Des traces de pas et du sang. On dirait que Sona et ses braves se sont dirigés vers cette saillie. Dantzi mort. De la main de Sona, peut-être. Elle est sûrement tout près. Pas de la chance que je sois passé. Une seconde de plus et ce Dantzi t'aurait complètement déchiqueté. Une seconde de plus et c'était moi qui le tuais. C'est toi, la chef Sona? Varl m'envoie te trouver. Il garde bien la porte? Avec courage, oui. Je l'ai même vu abattre une machine corrompue. Mais il s'inquiète pour toi. On a besoin de force, pas de sentiments. J'ai retrouvé certains des tueurs de l'éclosion. J'ai besoin de vengeance. Et toi? Tu n'as même pas idée. Prouve-le-moi, en combattant avec nous. Suis-moi. Les tueurs sont derrière cette saillie. Ils creusent le sol maudit. Le péché des anciens est enfoui dans cette terre, des démons corrupteurs. Je les connais. J'en ai eu un au guet de la mer. Si tu le dis, voyons si tu seras à la hauteur.
fait des heures que mes braves se cachent dans les arbres en contrebas. À mon signal, ils attaqueront. L'ennemi et ses machines démoniaques sont plus nombreux, mais nous pouvons compter sur notre colère. On pourrait avoir mieux que ça. J'écoute. De la flambée. On l'utilise pour brûler, eux pour faire exploser. C'est de là que vient cette fosse. Alors on l'enflamme et ensuite... Boum. Alors c'est parti. Wow, wow. Attendez, pas trop vite. Je vais essayer d'approcher discrètement. Si jamais je me fais repérer, attaquer. D'accord. Prouve-nous ce que tu sais faire. Il reste encore des tueurs. J'en avais compté beaucoup plus pendant le massacre. Si je dois poursuivre leur ombre perverse jusqu'à la pointe de lance, je le ferai. Tu saignes. Tu es blessé. Ma santé ne te concerne pas. Nul ne doute de ta détermination. Mais tu dois te soigner. Elle a raison, chef Sona. Laisse tes blessures se refermer.
Marle, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de garder cette porte au péril de ta vie. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que ton messager ne revienne m'expliquer sa rencontre avec Aloy et où tu te trouvais. La porte est bien protégée. Ma place est ici, avec toi, avec notre vengeance. Je ne l'ai pas méritée. Ce serait bien si je pouvais examiner les lieux. J'arriverais peut-être à retrouver la trace des autres tueurs. Fais ce que tu veux. C'est ce qu'ils font tous. Mère. On en a fini ici. Des explosions accidentelles de flambées ont tué de nombreux hommes. Ici, à l'anneau de métal, j'ai pris la précaution de placer tout notre stock de flambées en sécurité, à l'abri des étincelles et de la lumière. J'ai posté des gardes pour contrôler l'accès. Je vous conseille de prendre des mesures similaires. Vous en subirez les conséquences. Le responsable du ravitaillement, terminé. Une réserve de flambées dans leur base. Si on sabote ça, on gagne la bataille. J'ai quelque chose. Le reste des tueurs campe à l'intérieur d'un anneau de métal. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bon sang. L'anneau de métal se trouve dans les ruines du deuil du démon. Cet endroit est tabou. Je vais retourner voir les matriarches, leur demander un passe-droit. On n'a pas assez de temps pour ça. Comme toujours, le sang appelle le sang. Si le sol est maudit, que notre vengeance le sanctifie. Quel blasphème! Je vous en prie, chef Sona, il faut briser les tabous. Le deuil du démon est un lieu maudit. Mais la bénédiction de la chercheuse sera avec nous. Piste nos ennemis, trouve-les. Mais garde tes flèches, nous nous retrouverons dans cet endroit atroce et nous frapperons ensemble. Ça a l'air d'un bon plan. À tout à l'heure. Attention en bas.
y a peut-être un moyen de la pirater, mais comment le trouver ? Très utile. Thank you.
C'est ça, y a rien à voir ici. C'était facile quand j'étais petite. Du démon. Ce sera plus difficile que je le pensais. Tu te demandes jamais à quoi ça pouvait ressembler? À l'époque des anciens? Tu n'es pas comme les autres, Nora. On me le dit tout le temps. Chef Sona, nos hommes ont trouvé des camps ennemis dans les ruines, sur le chemin menant à l'anneau de métal. Alors on doit s'occuper de ces camps en premier. Qu'il ne sonne pas l'alerte. Très bien. On vide les camps. Et nos ennemis dans l'anneau de métal ne verront rien venir. Je vais désactiver les alarmes. Envoyons des braves dans chaque camp, tapis dans l'ombre. Tu commenceras, ils finiront. Thank you.
l'ai vu! J'ai vu quelque chose. Fait notre devoir. On sait jamais, ça peut servir.
n'est pas seul. On a de la compagnie. J'ai déjà trop de choses. J'entends des voix. On a réussi pour les terres sacrées. Je savais qu'on y arrivera. Finissons-en. Tapez à la voix de la vertu. Ah, ah.
battu pour nous en sortir. Se battre. Pour les Nora. Où est-ce la victoire pour la toute mère. J'ai plus de place. Très utile. Les camps ne sont plus un problème. Direction l'anneau de métal. Ces hauts remparts protègent l'ennemi. On devra escalader sous les tirs, si jamais nous sommes repérés. Attends, j'ai une autre idée. Leur base a une faiblesse. Je vais y aller seule et en tirer parti. Si ça fonctionne, je provoquerai une explosion qui créera un trou assez grand pour que vous puissiez passer. Ça me va très bien, à condition que je t'accompagne. Une chef de guerre accepte avec gratitude de flèches impatientes de jaillir de l'arc. Oui, Varl. Accompagne Aloy pour l'assister, mais... sois prudent. Oui, chef Sona. Je le serai. Allez-y. Nous attendons votre signal. Suivi jusque-là, même dans les ruines. Tu es censé me faire confiance. C'est vrai, mais comment sais-tu que cette base a une faiblesse? Patience, Varl. Tu comprendras bientôt. Celui de droite est pour toi. Mmh.
Fuis ou bats-toi. Prépare-toi pour l'attaque de l'ombre. Ta fin est proche. Prends celui de gauche. Par le soleil! Là. Tu vois cet abri couvert? À l'œil, tu vois ces corrupteurs? Du calme, Varl. L'abri est rempli de flambées, toute la réserve du camp. Si je l'embrase, l'explosion détruira les corrupteurs et fera s'écrouler le mur. Une brèche pour que les Nora puissent charger. Mais je l'attendrai pas d'ici. Il faut qu'on se rapproche. Moi, je vais y aller. Fais demi-tour, explique tout à Sona et guide-les de ce côté de l'anneau. Je m'en occupe. Et quand le mur s'écroulera, je serai le premier dans la brèche. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Si je peux rester silencieuse, ce sera bien plus simple. De la flambée et tirer dessus. Je dois pouvoir toucher la flambée d'ici. Oh,
battez-vous, mais battez-vous à la fin! La fin est admire notre victoire. La dette de vengeance est payée. Souvenez-vous de ce jour, brave Nora. De vos lèvres aux oreilles de la déesse. Oui, souvenez-vous-en. Soyez prêts à quitter cet endroit. Laissez vos lances et flèches dans les corps de vos ennemis. Elles sont souillées comme le sont ces ruines. C'est fini. Ils pourront plus sévir. Tu es une guerrière douée, Aloy. Ils font partie d'un mystère que je veux découvrir. Ou que tu le connaissais ? Dans une autre vie. Et assez pour savoir que c'était un homme bon. Mais alors, pourquoi on l'a banni ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? J'aimerais pouvoir te le dire. Mais seuls les hautes matriarches connaissent toute cette histoire. Il paraît. Bon. Il faut que je me mette en route. Merci, Aloy. Que la Toute-Mère bénisse ton chemin, ou que celui-ci te mène. Tu ne vas pas rentrer avec nous, pas vrai ? Je ne crois pas, non. Je suis contente que tu aies pu faire ce que tu voulais, Varl, mais moi, non. Pas encore. Bon, je sais que tu dois partir. Tu es chercheuse, après tout. Mais si tu repasses un jour par ici... Eh bien quoi ? Ça me ferait plaisir de te voir, c'est tout. On va se regrouper à la couronne de la mer. Je t'y croiserai peut-être ? Peut-être bien. À très bientôt. Pas de place.